Et bonjour à tous, c'est Dim. Ouais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. J'ai bugué parce que j'ai cru que Jean-Jean il était en train de tuer quelqu'un. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Black and White avec toujours cet enfoiré qui parle sur moi. Voilà, si tu peux fermer ta gueule. Donc, dans les deux premiers épisodes, bah, c'était simple, on avait posé les bases et puis on a répondu aux besoins primaires principalement de nos concitoyens, donc de nos habitants. À partir de maintenant, on va se focaliser, et c'est très simple, je vais baisser un petit peu le son parce que la musique est un peu forte, on va se focaliser sur les points d'offrande. Donc vous avez ici, je vous ai mis, hein, parce qu'on peut regarder via ce petit menu... les objectifs qui sont sous forme, vous voyez, un petit peu de haut fait. En gros, vous avez une jauge et quand vous l'atteignez, bah, vous avez réussi le haut fait, vous débloquez des points d'offrande. Hein. Je vais dévorer cet animal. On est herbivore. Arrête de déconner, mec. Voilà. Donc, on va se focaliser sur les points d'offrande tout simplement parce que c'est la chose la plus importante du jeu, dans le sens où plus je vais débloquer de points d'offrande, plus je pourrai acheter d'améliorations. Et ces points d'offrande là, si par exemple je finis cette carte, donc je passe, hein, je vous ai dit une carte par niveau, et que je passe au niveau suivant, finissant donc cette carte, les points d'offrande que j'aurai ratés, bah, je ne pourrai plus les débloquer. Forcément, je ne peux pas revenir en arrière. Donc on va se focaliser là-dessus, et puis on va commencer à envoyer Jean-Jean à gauche à droite pour commencer à taper du type, parce que si vous voyez, au niveau des zones, les mecs se sont quand même super bien implantés, donc on va aller les zigouiller. En tout cas, on va entraîner le Jean-Jean dessus. On a une deuxième ville qui nous rejoint, hein, donc des citoyens qui sont en route. Ils sont pas nombreux, je pense, sur la route, il y en a pas mal qui vont mourir. Très très peu d'enfants, à l'air d'avoir plus d'hommes que de femmes. Et puis grosso modo, voilà. Donc... On va commencer tout de suite, donc on va récolter un petit peu de blé, parce que j'ai l'impression d'être un peu en galère. Je me souviens plus très bien, mais je crois qu'on peut voir les gens qui sont inactifs dans la ville. Attends, c'est où déjà? Prestige, bonheur, ok. Je crois que c'est sans emploi ou... sans abri, on en a zéro. Donc tout le monde a un toit, placement, organisation de la ville, population, alignement, prestige, potentiel, sécurité, variété des bâtiments. Ouais, ça manque un peu de variété, mais bon, ouais, on est au début du jeu. Alors, j'aimerais bien qu'il m'affiche le menu avec... excusez-moi. Avec les objectifs, parce que je suis un petit peu paumé vis-à-vis de ce truc-là. Construire... Attends. Donc construire 10 bâtiments sur une zone de prestige... On a ici, maison à faire construire par la créature, donc ça on le fera après dès que les autres habitants seront arrivés. Ok, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre le Jean-Jean avec nous. Attends, t'es comment au niveau de la santé, mon cher Jean-Jean? Oh putain, t'es mal. Attends. Hop, je prends la laisse, va dormir tout de suite. Comme ça on s'occupe pas de toi. Et puis grosso modo, voilà, donc on progresse tranquillement, on est plutôt bien parti. Il y a des gens qui... Ça, les gars, on va éviter, s'il vous plaît, ça vous dérange pas de polluer la ville. Putain, j'ai l'impression d'être une nounou. Je suis obligé de ranger ces putains de jouets. D'ailleurs, je sais toujours pas où il a mis sa putain de balle. Hein. Je sais pas où il l'a envoyé. J'ai vu qu'il y avait une sorte de haut fait où fallait déboiser le terrain. J'ai pas trop compris. Je préfère... Tiens, on va virer cet arbre-là. Ça, c'est Jean-Jean qui les pose, là. Merde. Quand c'est Jean-Jean qui pose les arbres, vous voyez, il y a un petit truc autour. Les Aztèques ne pourront pas régner sur ces terres. Oui, je sais. Les Grecs seront encore là. On va récolter encore un petit peu de bouffe. On va faire un petit miracle de l'eau. Histoire de densifier un peu le champ. J'y crois pas, il en peut plus l'autre là. Les mecs sont juste à côté, donc ils vont pas tarder à arriver. Je vais regarder entre temps si le Jean-Jean s'est réveillé. T'es comment, mon Jean-Jean? Putain, t'as pas dormi du tout, quoi. Je peux pas aller là-bas. Comment ça, tu peux pas aller là-bas? Tu peux pas aller là. Tu passes pas là? Oh, te fous pas. Te fous pas de ma gueule, Jean-Jean. Attends, on va virer. Comment on vire les baraques? Comment on vire les baraques? Je sais plus c'est quel anglais. D'accord. Excusez-moi. Bienvenue sur les terres scandinaves. Outil de destruction. Tac. On va virer celle-là. Et normalement, là, t'es bon, Jean-Jean, là. Attends, on va virer... Je sais pas comment on... Voilà. Hop. Tu m'as saoulé. Ok, les mecs sont devant la porte. On va leur ouvrir. Faire gaffe, hein. Vraiment pas laisser la porte ouverte trop longtemps, sinon les gars derrière vont en profiter. Pour le moment, ils vont être inactifs pour le moment, hein, le temps que normalement les mecs arrivent. Enfin, j'espère, parce que j'ai aucune défense. Allez, les gars, on se grouille.
Eh bah oui, bah on se réveille, on se bouge le cul, hein, s'il vous plaît. On va continuer à récolter un petit peu pour aider les mecs. Merde. Ok. J'étais obligé de fermer la porte, hein, j'avais pas le choix. Putain, Jean-Jean. T'as faim? Bah tu... Eh, parfait. Tu vas voir ce qu'on va faire. Là, je vous ai dit, hein, avec nos villageois, nous, on les protège, on fait tout ce qu'il faut. Par contre, dès qu'il s'agit de l'ennemi, je peux vous dire que notre petite vachette, elle va en bouffer de l'humain. Allez, Jean-Jean, t'es où? T'es où, beau gosse? Allez, tu viens devant la porte. On va te mettre en mode guerre. On va anticiper un petit peu. On ouvre la porte. On va vite faire courir... Tiens, Jean-Jean. Non, merde. Viens là. On va vite le faire courir là-bas. Allez. Tu les attaques. Ouh. Eh, c'est le premier fight du Jean-Jean. Allez, mon gars. Merde, il bug. Allez, gamin. Yeah. Ok. Un petit migrant attend à la frontière que vous l'acceptiez. Allez. Oui, bah t'attends, vous attendez à la frontière. Cassez pas les couilles, je suis en plein fight, moi. Allez, Jean-Jean. La vie, on est pas mal. Rapportez-moi, préparez vos forces. Où tu vas? Afin d'anéantir ces troupes grecques. Les mecs sont costauds quand même, hein. Bon, on va. Voilà, c'est ça que j'aime. Alors, la bestiole a plusieurs attaques, dont celle-là, qui est pour moi la plus efficace. Yeah. Qui est pour moi la plus efficace, celle où il fait 3 pas, en fait. Ah merde, j'aurais bien voulu qu'il en ramasse. Attends, Jean-Jean, calme-toi. Pourquoi t'es énervé comme ça? Alors, attends. Tac. Allez, mange. Ramasse. Et mangez. Voilà, donc la vie est full life. Le honneur de Jean-Jean, il est nickel, il est aux anges. Allez. On va le laisser rentrer. Donc c'était le premier fight du Jean-Jean. Par contre là je pense qu'avec les nouveaux mecs qui ont déboulé, on est un petit peu en galère. On est un petit peu en galère de maison. Voilà, le Jean-Jean est rentré, le plus important c'est bien fermer les portes. Parce que ça, on a vite fait de faire une boulette et de se retrouver avec une armée sur le dos. Ok, bon. Alors, on va continuer nos maisons. Moi, j'aime bien optimiser, donc... Enfin, optimiser. Hein, ça fait 5 ans que j'ai pas joué au jeu, donc j'optimise à ma façon. Hein. Ok. Oh, putain. Tu vois, donc, t'es obligé de refaire le chemin inverse pour vraiment réussir le truc. Tac, nickel. Allez, on pose les baraques. On essaie de les faire bien coller. Je vais essayer de faire que le Jean-Jean les construise lui-même. J'en perds ma voix. Excusez-moi. Voilà, c'est très très mal posé ce que je fais là. Ah, putain, il y a un panneau. Est-ce qu'on peut le virer? Putain, je peux pas le virer ce putain de panneau. Attends. J'essaie de faire le truc proprement. Voilà. On va en mettre une juste à côté. Voilà. J'en ai fait une comme ça, mais on va les laisser. On va laisser aux Jean-Jean faire le taf. Hop. Ok. Alors, la bestiole, viens ici. Je veux que tu construises, là. Je veux que ça taffe, mec. Attends, il y a un problème avec la laisse. Voilà, je veux que ça taffe, s'il te plaît, taffe. Tout ce que je te demande. Ok, bah écoutez, on est pas mal, je vais regarder un petit peu les besoins des mecs, surtout le taux de natalité est quand même relativement faible dans la ville, j'ai pas mal de disciples de gens qui sont venus en plus, donc voilà, la bouffe on est full dans un, j'aimerais bien qu'on soit full dans le deuxième, donc on va les aider un petit peu à ramasser, hop, je vais regarder également où on en est par rapport aux villes à côté, donc voilà, on est à 300 et quelques de convaincre une nouvelle ville de nous rejoindre. Excusez-moi, gorge un peu enrouée. Et puis voilà, le Jean-Jean ne branle rien, ça fait plaisir.
Allez, construis, s'il te plaît, construis, construis. On en a 10 à faire, ou 12. Ça, c'est mon Jean-Jean, ça. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que tu... Vous voyez, les habitants, en fait... Donc maintenant, j'ai pas mal d'habitants qui sont au chômage, qui ont rien à foutre. Donc ils, en fait, ils ramènent le bois pour construire eux-mêmes les maisons. Et ce qui est cool, c'est que ça m'évite que le Jean-Jean aille sur une maison... Puis il retourne chercher du bois via un arbre ou via notre stock à l'entrepôt. Et là, au moins, il peut se mettre juste... Oh putain, je vous dis un truc, il le fait, quoi. Putain, je vais transformer cet arbre en copeau. Ouais, c'est bien ça. Et puis voilà, mon Jean-Jean, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu le construises. Alors, on a des gens, vous voyez, ils ont tous repopé à côté. Hein. Ils viendront à l'infini. Pour le moment, ils ont l'avantage, donc ça sert à rien... de perdre notre temps avec ça. Jean-Jean, sérieux. Viens ici. Allez, construis, s'il te plaît. S'il te plaît. Je voulais le faire honnêtement en off. Et il se passe tellement de trucs... il se passe tellement de trucs à la minute que j'avais peur de vous faire rater 2-3 trucs. Donc je préfère faire vraiment l'intégralité du jeu avec vous. Bon, ça c'est un petit peu chiant, mais j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Pour s'allier à ces intrus grecs. Putain, j'ai hâte qu'on le défonce ce mec parce que j'en peux plus avec ces putains d'annotations. Ah, ça y est, on a un nouveau village. Donc on a des gens qui vont nous rejoindre, donc c'est cool, finalement on en a pris 3 vraiment dans la détente. Le Jean-Jean s'est juste entraîné un peu, alors on sera beaucoup plus agressif dans le prochain épisode, sur la prochaine map, hein, parce qu'on aura pris de l'avance via les offrandes, etc. Donc le Jean-Jean sera principalement dédié au fight, hein. On le laissera crever s'il faut le laisser crever, c'est pas un problème que la créature meure. Donc grosso modo, comment ça se... Putain, il me casse les couilles. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'en mets. Allez, finis celle-là, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc, comment ça se passe quand la créature meurt? En gros, elle va... Il y a un cooldown avant qu'elle repop. Mais voilà, quoi, après, il n'y a pas... Il n'y a pas d'incidence directe. Putain, c'est pas ton Jean-Jean lui-même qui me pète les steaks parce qu'il veut rien construire, il veut en faire qu'à sa tête, c'est vraiment l'autre là. À parler alors que je suis en train de tourner un let's play. Je peux pas le couper. Je peux pas le couper parce qu'il fait partie du son en général. Et... Je vais devoir agir. Ok. Allez, mon Jean-Jean. Allez, putain. Ils vont le finir avant toi là, du coup on va pas en profiter. Là c'est cool. Nickel. Allez, tu construis celle-là s'il te plaît. Nickel. Écoutez, on est plutôt pas mal. Il en reste quelques-unes ici. Jean-Jean, je vais t'aider un petit peu au niveau du bois. Hop. Hop. Et hop. Vous voyez que le bois tout autour de la ville a commencé à repousser. Hein. J'y ai pas vraiment touché. Donc c'est cool. Voilà. Alors bien sûr, par la suite, on pourra, comme on l'a fait avec, je crois qu'on l'avait fait avec l'onglet guerre, hein, on pourra améliorer Jean-Jean dans ses compétences de bâtisseur, de récolteur, etc. Et de distraction, qui est le baladin. Et puis voilà, donc on va se contenter de faire ça. Je vais quand même poser un rack de maison en plus. Jean-Jean, je t'abandonne 30 secondes. Je vais faire une petite extension sur la route. Oh putain, fuck it. Shit. Bon, c'est pas aussi optimisé au niveau des routes que SimCity. Hein. Pourtant, le jeu est à mon sens largement meilleur. Parce qu'au moins, ce jeu, quand il est sorti, il était fini, tu vois. Ils ont pas pris les gens pour des cons. Ils ont sorti leur jeu. Putain, Jean-Jean, il y a ton jouet encore qui traîne. Qu'est-ce que ce sera le jour où j'aurai des enfants? Faudra que je fasse ça et dans le jeu, et dans les let's play, et dans la vie de tous les jours. Putain de merde. Voilà, allez, on continue à construire des maisons. Alors on n'en a pas besoin, vous voyez que les gens, pour le moment, ne demandent pas... Ils ont besoin de rien, tout va bien pour le moment. Mais on va quand même en rajouter. Je fais pas pour le moment de deuxième garderie. La garderie, c'est vraiment un bonus, à mon sens, très important pour le taux de natalité. On est bien pour le moment, sachant qu'en plus, j'ai pas trop étudié la question. Enfin, j'ai pas trop fait attention. Donc je préfère faire gaffe, parce que si on... Après, ça va très très vite. Plus on a de mecs, plus ils font d'enfants, plus on doit construire une maison, plus ils consomment de bouffe, et ainsi de suite. Et on rentre très très vite dans un cercle un peu vicieux. Voilà.
Voilà. Je pense que j'ai trouvé le bon créneau là. Hop. Ah non mais elle déconne pas mec, j'ai mis du bois, sérieux, j'ai mis du bois, on est bon là. Allez mon Jean-Jean, s'il te plaît. S'il te plaît, wow putain qu'est-ce qu'il est gros, vous avez vu son bide? C'est sa bidoche. Oh tu me tues, sérieux. Ces pitoyables survivants de l'attaque aztèque ne résisteront je crois qu'il est... longtemps ici. Ouais, il a envie de dormir ce con. On va l'abandonner, on va le laisser dormir un petit peu. Hop, le truc c'est que, ouais, putain j'ai pas le choix. Faut que je vire tout ça, quoique. Parce que tu vois les mecs derrière après ils construisent et du coup je peux pas les laisser Jean-Jean le faire. Attends. J'arrive pas à récolter des mecs là. Hop. Et on va les mettre disciples tous fermiers. Fermier. Ça c'est des bébés donc ils peuvent disciples pas taffer pour le fermier moment. Puis voilà, hein, on est bon. On est un peu en déj de minerai les copains, je sais pas ce que vous branlez. Ah attendez. Ouais pourtant il en reste un petit peu ici. Mais ça monte très très doucement. Hein. On est peut-être full ici. On est full en bois. Ah, ils peuvent construire tout ce qu'ils veulent. Okay. Nous le détruirons. Ouais, bon ça va. Bah niveau bouffe, niveau bois, rien à dire. Niveau minerai, bon, on s'en sort pas tous les 4 matins non plus. Mais bon, on est un peu en dèche, mais ça va. Oh, il y a peut-être des mecs devant la porte. Pff, merde. Est-ce qu'il y en a qui sont morts entre-temps? Non, ça va pour le moment. Donc on va attendre que le Jean-Jean se réveille. On va le laisser dormir pour le moment. Je sais pas où est l'onglet bête en fait. Est-ce que celui-là? Non. Ça c'est quoi? Créature, miracle. Ah ouais d'accord. Obésité, 45%. Forme physique, 99%. Taille, 51%. Âge, 100%. D'accord. Ok, le Jean-Jean est debout. Donc la priorité, on est quand même actif dans cet épisode. Hein. La priorité, ça va être de le mettre en mode guerre. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Faut que je déblaye tout ça. Je peux pas laisser rentrer les gars sans niquer ces gars-là avant. Donc on va anticiper, on va ouvrir les portes. Jean-Jean, tu dois faire tes besoins. Bah écoute, faut que je l'éduque aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle a rétréci, ma créature. Ah, attends. Tu dois faire tes besoins, tu les feras plus tard. Ça, c'est plus urgent. Allez. Alors, faut que mon Jean-Jean arrive avant que ces mecs progressent, parce que s'ils sont tous au même niveau, il va niquer aussi, de manière collatérale, les habitants. Donc les habitants, vous voyez, ils repartent en arrière, ils vont prendre la route pour ensuite revenir vers chez moi. Voilà. Donc le Jean-Jean va se fighter, on va récolter les mecs. Allez, mon Jean-Jean. Voilà. Avec ton gros bide. Voilà. Vous voyez cette technique, comment elle est efficace? Bon, c'est pas moi qui choisis, hein. C'est lui qui l'a fait de manière... Et je crois qu'il l'avait pas au début, c'est quand j'ai passé... quand je l'ai amélioré que je peux le faire depuis. Hein. Parce que pour le moment, on a que des fantassins en face de nous, des gars au corps à corps, donc ils font pas nécessairement mal aux Jean-Jean. Par contre, ce qui fait vraiment très très mal... Oui, je sais. Ce qui fait très 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 mal... Il se propage comme la peste. Putain, il casse le steak. Allez, on a gagné le Jean-Jean, allez, on rentre à la maison. Ouais, donc ce qui fait vraiment mal, c'est les archers. Voilà, il y a deux mecs qui sont paumés là, je sais pas ce qu'ils foutent. Allez, rentre, Jean-Jean. Attaque. Vas-y. Ah, mais non. Ramasse. Oh putain, il l'a buté. Ramasse. Vas-y, mange-le. Nickel. Bon, putain, ils ont construit toutes les maisons. Oh putain, mon Jean-Jean. Chut, viens ici. Nous devons nous débarrasser de ces maudits grecs afin de permettre aux Aztèques de régner. Hop. Allez. Tu construis, s'il te plaît, hein. Nickel.
Celle-là aussi. S'il te plaît. Allez, attends, alors du coup j'ai quoi? Maison à faire construire par la créature. 12 créatures récoltent 3000 de nourriture. Oh putain, j'ai pas eu le temps. Donc on va l'emmener récolter, hein. On va se gagner un petit peu d'offrandes par la suite. D'ailleurs, je crois qu'on est pas mal au niveau offrandes, on a 49 000. Donc 49 000, on va faire le miracle du soin, qui est pour moi très très important. Donc c'est merde, pardon. C'est un miracle en fait qui vous permet de à la fois de soigner votre créature. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Attends, on va virer la... Je peux pas virer la petite bête avant? Parce que j'ai peur qu'elle soit coincée dedans. La coquine. Merde. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, les copains, c'est pas grave. Bon, on a pas mal de mecs qui prient. Vous voyez, maintenant on est full adorateur. Donc ça c'est cool. Ouais, donc le miracle de soin en fait va me permettre de soigner la créature, mais le plus important c'est qu'il va me permettre de soigner les mecs. Les mecs ici, hein, parce que les gens vieillissent et meurent. Donc meurent principalement de maladie. Oh putain, il y a des gens qui dorment dehors. Ils meurent principalement de maladie. Et de leur faire en fait un miracle de soin, ça permet déjà de les guérir et puis ça permet également d'améliorer leur satisfaction, enfin leur bonheur. Voilà. Jean-Jean, s'il te plaît, crée. On est bon là. Allez, mon pote. Voilà, allez, encore une à côté. Je vais virer tout ça. Merde. Hop. Bah écoutez, on va relier les trucs ensemble. Voilà, nickel. Et puis, je sais pas si ça... Ouais, si, ça passe. Nickel, nickel. Voilà. On va commencer à construire des baraques ici. Dégage, gamin. Oh merde!